Mon nom d'auteur, c'est Moonkey. Je suis l'auteur du premier manga européen. Le tout premier manga, c'est donc Dice, D-Y-S, chez Pika Edition, qui a été le premier encadré vraiment dans une structure professionnelle du début à la fin, avec l'idée d'être prépublié dans un magazine d'abord, avec de la même façon qu'au Japon, même si c'est pas tout à fait vrai finalement, que dans les magazines japonais, avec le système de vote et tout ça. J'ai fait une autre série chez Pika Edition qui s'appelle Necromancer. J'ai même fait une fresque sur la place du Sablon pour la ville de Bruxelles. En 2016, la Belgique et le Japon fêtaient leurs 150 ans d'amitié et de collaboration. Et pour fêter ça, entre autres, ils m'ont choisi comme artiste belge de l'année parce que je représentais à leurs yeux la fusion des deux cultures artistiques. Puisque en fait, je suis mangaka professionnel, je suis même le seul en Belgique. On a fait aussi pas mal des expositions, des conférences, autant en Belgique qu'au Japon, où j'ai participé à la mission royale. C'était en octobre 2016, où là, on m'a présenté au roi et à la reine de Belgique quand on était à Kyoto. Enfin, il y a eu à Tokyo, puis à Kyoto. On m'a présenté en tant que mangaka là-bas, à nos têtes couronnées. Alors ici, en fait, c'est une étape, mais cruciale, évidemment, où on fait des allers-retours entre le dessin et la documentation qu'on se crée, puisqu'en fait, forcément, pour nourrir son imaginaire, il faut regarder d'après photo. Ou par exemple, ici, je fais des recherches sur des ports maritimes, mais ouais, mais ça, comment on sait et tout ça, puis on peut pas. Parfois, on se dit, ouais, il y a des machines un peu bizarres, mais on se dit, ah ouais, mais il y avait cette machine-là aussi, tiens, il y avait ça. Et du coup, ben voilà, ça nourrit l'imaginaire, ça rend plus véridique ces dessins, il faut des modèles. Là, par exemple, c'est le héros, mais il faut absolument que, par exemple, ce pantalon, c'est toujours exactement le même pantalon avec la petite poche là qui ressort. Il peut pas changer, il change pas de pantalon à chaque case, évidemment. La coiffure, il doit avoir toujours exactement la même coiffure. Donc, il nous faut faire ce qu'on appelle une bible des personnages, une bible des décors. J'ai toujours un miroir proche de moi, comme ça. Quand j'ai besoin de dessiner une main,
Mais forcément, alors je peux la faire comme ça. Mais si je dois faire un personnage, je mets la main, je vois dans le miroir et je suis mon propre modèle en fait. Et j'aime bien choisir avec précision mes crayons, parce qu'il y a même des crayons, attends, bien le ranger ici. Il y a des crayons qui ont vraiment qui donnent des effets un peu spéciaux. En plus, je stream sur Twitch. Et streamer sur Twitch, ça implique que si tu streams quand il n'y a personne devant son écran, ça ne sert pas à grand chose. Donc tu dois essayer de trouver les moments où tu auras potentiellement des gens. Hello, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue. Et donc, je suis obligé aussi de faire ma vie par rapport à ces heures auxquelles j'essaye de tester et tout ça. Allez, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Je vous donne rendez-vous ce soir à 21h pour du Genshin Impact. Sinon, c'est vendredi, de nouveau 21h pour du Genshin. Sinon, c'est du manga lundi prochain à 21h aussi. Bye bye! Moi j'étais plutôt pour écrire de la fantasy ou des choses un petit peu comme ça, ou ce qu'on appelle aujourd'hui du isekai, tu vois. Mais en fait, à l'époque, Pika voulait lancer des auteurs français, francophones, hein, on va dire plutôt. Du coup, il m'a dit voilà, je cherche des mangas que les Japonais pourraient pas faire. Hors de la fantasy, ils arriveront à en faire. Tandis que quelque chose qui se passe chez nous, avec des gens de chez nous, avec des problèmes de chez nous, ça, forcément, ils peuvent pas le faire, puisque, ils connaissent pas, et puis avec des gens qui pensent et qui réagissent de la même façon que nous. Donc, il y avait ça. On était, en plus, il y avait GTO qui se terminait chez eux. Et je sentais qu'ils avaient envie d'un truc un peu à la GTO aussi. Donc, en fait, c'est comme ça que j'ai créé Dice. Et donc là, du coup, c'est un jeune, vraiment, qui habite à Bruxelles. Max, en fait, il va travailler dans une grande société immobilière. Ce côté aller distribuer les tracts et tout ça, de se sentir, tu fais ce boulot-là, mais c'est pas ton milieu à toi. Dans le volume 2, il va à un concert de Jamiroquai, et en fait, j'ai été voir ce concert. Ce concert à Forêt Nationale, et on reconnaît Forêt Nationale, ce concert a vraiment eu lieu, en fait. «
pour la première scène d'intro, c'est un démon qui vole et qui tourne autour du Mont Saint-Michel qui atterrit. Bah, en fait, j'ai loué un ULM. Alors, c'est pas moi qui le pilotais, mais donc il y avait un pilote. Je lui ai demandé de faire le parcours, en fait, et moi, je prenais des photos. Le démon qui vole, bah, en fait, moi, c'était moi avec l'ULM, quoi. Et je reprenais les photos. Mais d'ailleurs, dans l'album, on voit une photo où on voit l'ULM, en fait, et le Mont Saint-Michel. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, je vais la faire genre Seigneur des Anneaux. Il va jeter l'épée dans le volcan. Il y a un volcan en Europe, bah, il y a l'Etna. Et donc, du coup, bah, il va en Italie. Et puis après, il prend le bateau pour aller en Sicile et puis jeter l'épée dans l'Etna. Là, par contre, alors l'Italie, j'ai déjà été plein de fois. Mais pour le coup, la ville où il se trouve, où il prend le bateau pour passer jusqu'en Sicile, et tout le passage en Sicile, là, c'est grâce à notre ami Google Maps et la Google Car. C'est lui qui a fait le voyage. Alors maintenant, ça y est, on est à Nezuko de Demon Slayer, toujours autant de succès. Nezuko, elle a une particularité, c'est qu'en fait, elle a des énormes yeux et aussi un énorme front. Ses cheveux sont comme plus étroits, mais par contre, ce qui est plus étroit en cheveux, c'est plus grand en front. Donc en fait, on va faire le cercle et son front est rond. Son front ira plus haut que ce cercle. Donc, on va aller commencer par faire. Oula. Ok, on va faire une horizontale maintenant. Hop. Et une verticale. La verticale va nous donner ben, le milieu, le nez, le menton et tous les différents endroits où son kimono se croise. Ce que j'attends de la Medinasia, c'est déjà hein, que ça se passe bien pour. Pour moi, parce que, enfin, pour moi et ceux qui m'aident, parce que c'est quand même un gros stand qui a énormément de succès. Mais du coup, ça veut dire que tu as une pression énorme parce que tu as beaucoup de gens qui viennent et donc, du coup, tu as une logistique importante. Et pourtant, c'est jamais que c'est des potes qui donnent qui viennent aider en fait. Tout va dessiner, que je lui offre le dessin. Ah ouais, tu veux l'avoir le dessin? Tu veux le dessin? Oui, ça te dit. Alors, t'as pas d'enjeux commerciaux, j'ai rien à vendre. Et c'est pas mon métier de faire des ateliers. Mais du coup, moi, je le fais pour le plaisir. Mais voilà, comme ça a beaucoup de succès, c'est des grosses, grosses journées. Alors, j'espère que voilà, que moi, je vais m'amuser, que mon entourage va s'amuser, que les gens qui vont participer à mon atelier vont s'amuser. Et que tout se passe bien. Les yeux de Nezuko, comme ils sont très grands, on va de nouveau devoir un petit peu, entre guillemets, tricher. Hein, donc, comme je vous disais, s'il y avait un Naruto ou autre, on déposerait les yeux sur la ligne. Là, de nouveau, on est obligé de descendre un tout petit peu. De l'intérieur de son cou, vous voyez cette ligne droite, on peut la continuer plus bas. Maintenant, tous les traits qu'on va faire, ils vont aller rejoindre cette ligne droite.
Là maintenant, je vais déposer le micro, je vais tout quand même aller voir ce que je vais faire. Et puis après, je rejoins la table pour ceux qui ont envie d'une signature sur mon dessin. Merci à tous et amusez-vous bien. Voilà la suite du samedi de la Medinazia. Merci, merci, merci. Yeah.